En réalité, les assoiffés, ils deviennent visibles parce qu'ils manifestent le caractère de Christ et ils manifestent les œuvres de Christ. Quand on parle des assoiffés, on parle du cœur de Dieu. C'est-à-dire, on parle de ceux qui, à travers la soif, arrivent à avoir le cœur des dieux. Et quand on a le cœur des dieux, il y a des attitudes que tu vas manifester. Il y a un caractère, il y a un comportement que l'on va devoir voir. Donc la soif de Dieu ramène au cœur des dieux. Parler de la soif, c'est aussi parler du cœur des dieux. Car c'est seulement la soif qui va faire en sorte que tu cherches à plaire à Dieu. Quand tu n'as pas soif de Dieu, tu ne chercherais pas à plaire à Dieu. Quand tu as soif de Dieu, tu vas chercher sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ce projet? Qu'est-ce que tu dis pour ce plan? Qu'est-ce que tu dis pour sa prochaine étape? Chaque fois, un assoiffé, il revient vers lui et pour lui dire, quelle est ta volonté? Quel est ton plan? Ramène-moi sur les rails de ta volonté. Un assoiffé cherche tout le temps à plaire à Dieu.